Ils ont 30 jours pour s'enrôler. Les habitants de la province du Bas-Uélé sont en opération pour l'obtention de leur carte d'électeur. Plus d'efficacité à cette opération, le président de la Commission électorale nationale indépendante a apporté son appui au personnel. Une action qui intervient après le lancement de cette opération à Kisangani dans la Tchopo. En mission de travail dans la province du Bas-Uélé, le président de la Commission électorale nationale indépendante a apporté son appui au personnel de la CENI pour le bon déroulement de l'opération d'enrôlement des électeurs. Le but est simple, c'est celui de venir apporter mon appui et l'appui de mon équipe à nos collègues qui sont ici au niveau du secrétariat exécutif provincial afin de faire avancer bien le processus d'enrôlement des électeurs dans cette partie du pays. Alors il fallait commencer par visiter le gouverneur de province et le vice-gouverneur pour avoir une idée de la situation sur place. Ces agents ont 30 jours pour exécuter cette opération dans ces parties de la RDC. Bien avant son séjour dans cette partie du pays, le président de la CENI était dans la Tchopo pour le lancement de l'opération d'enrôlement des électeurs. Je suis venu lancer ces opérations-là à partir d'ici, Kisangani, et voir comment ça se passe sur le terrain. Et maintenant, nous venons justement de cette institution pour voir comment ça se déroule. Et nous avons trouvé que le travail avance très bien. Et nos agents ont été très bien formés et ils manipulent bien les machines. Et nous pensons que si cette situation est générale, les choses iront très bien. Denis Kadima en a profité pour inviter la population à l'enrôlement massif.